Ce qui commence à l'heure, Félix, en général. Tout le monde est bien installé, tout le monde va bien. Bon, et bien donc nous allons pouvoir ouvrir cette première, pas du tout la première d'ailleurs, cette nouvelle séance du Conseil municipal. Et je vais commencer par un acte traditionnel qui consiste à proposer à l'une ou à l'un d'entre vous d'être le secrétaire ou la secrétaire de séance du Conseil. Qui veut bien se dévouer ? Pas tous en même temps, par contre. Laurent Quéroux, que je remercie. Avant de démarrer, deux ou trois petites informations. Nous avons quelques absents ce soir qui ont donné leur pouvoir. Nous avons Philippe Martin, dont le pouvoir a été donné à Jérôme Foyer. Franck Ocrot à Christelle Cailleux. Laurence Guiblet à Karine Poulalion. Marie Périgaud à Camille Anton, Christophe Fleury à Laurent Quéroux et Fabien Veto à Michael Martin. Donc avant de démarrer cet ordre du jour, quelques petites informations rapides comme ça. Bon, l'installation se passe plutôt pas trop mal, je pense. Hein. Tout le monde s'est mis au travail avec beaucoup de joie. Et avec beaucoup d'ardeur, puisque la tâche est rude, mais ça on le savait d'avance, et on ne peut que le constater au quotidien, donc c'est bien. Des dossiers là qui nous tombent dessus, je vous donne quelques informations comme ça. Nous avons constitué aussi, suite à la demande de la SIFOOT que vous connaissez déjà, concernant l'éventuel terrain synthétique pour 2022, qui nous pose quelques soucis de budget, mais ça je vous apprends rien. Donc nous continuons notre travail pour essayer de trouver une solution la plus acceptable par tous. Ça, voilà, je voulais vous en tenir informé. Il y a des contacts qui sont pris et puis il y a des études de complémentaires qui sont menées par rapport à cet équipement qui nous est ardemment demandé par le club. Une autre chose également, le budget est en train de se construire. Au mois de mars, nous aurons le débat d'orientation budgétaire et nous avons pris la décision de nous faire accompagner dans cette tâche, au moins pour quatre d'entre nous, c'est-à-dire Caroline Legrand, qui est l'adjointe aux finances, moi-même, Ingrid Messager, qui maintenant se trouve derrière, tout au fond, ça va ? Ça a l'air d'aller. Et puis donc, nous avons également Marjorie Neveu, qui est notre agent qui s'occupe donc du budget du pôle finance, et nous avons décidé de nous faire accompagner pour effectivement élargir le champ des possibles dans le cadre d'une formation pour bien essayer de trouver toutes les astuces et les possibilités qui vont s'offrir à nous dans le cadre de ce budget que vous savez tous et tous un petit peu contraint et pour lequel toutes les idées seront bonnes à mettre en œuvre. Donc ça se déroulera sur le courant du mois de février, début mars, et vous en verrez les effets, je pense, dès le débat d'orientation budgétaire, et puis lors du vote du budget, que nous ne manquerons pas de vous partager, et qui fera aussi l'objet de la réunion de la commission finances, dès que celle-ci aura été composée, c'est-à-dire dans quelques minutes ce soir. Donc je vous propose, dès maintenant, de démarrer notre conseil municipal. Et le premier point de l'ordre du jour, c'est les indemnités des élus. Alors ce soir, je suis désolé hein, pour ceux qui voulaient causer un petit peu. Il n'y a que moi qui cause. Il y en a pour quelques pages. On va essayer de faire ça le mieux possible. Donc les indemnités des élus. Vu les articles L21-23-20 à L21-23-24-1 du Code général des collectivités territoriales, vu le décret 82-11-05 du 23 décembre 82 relatif aux indices de la fonction publique, vu le procès verbal d'installation du Conseil municipal en date du 26 mai 2020 constatant l'élection du maire et des 8 adjoints,
l'apprends. Non, mais c'est bon, je peux l'apprendre. Si, vous allez voir. Je voulais vérifier si j'étais capable de faire deux choses en même temps. Donc, on va essayer quand même de le faire correctement. Vu les arrêtés municipaux en date du 27 janvier 2022 portant délégation de fonction à Mme Christelle Cailleux, M. Laurent Quévaux, Mme Karine Poulalion, M. Philippe Martin, Mme Caroline Legrand, M. Franck Cocro, Mme Pierre Gasnier, M. Xavier Langade, adjoint, et Mme Laurence Biblet et M. Fabien Berland, conseillers municipaux, considérant que la commune compte 5761 habitants, considérant que pour une commune de 5761 habitants, le taux d'indemnité de fonction du maire est fixé de droit à 55% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, considérant la volonté de M. Jérôme Foyer, maire de la commune, de bénéficier d'un taux inférieur à celui précité, considérant que pour une commune de 5761 habitants, le taux maximal de l'indemnité de fonction d'un adjoint des conseillers municipaux titulaires d'une délégation de fonction est fixé à 22% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Ça va tout le monde? Considérant l'obligation de respecter l'enveloppe indemnitaire globale composée d'un montant des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux maires et aux adjoints d'exercice, considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des adjoints, des conseillers municipaux et du maire à sa demande pour l'exercice de leur fonction dans la limite des taux maxima fixés par la loi. Décide. Article 1, détermination des taux. Vous avez ça à l'écran derrière. Le montant des indemnités de fonction de maire des adjoints des conseillers municipaux est dans la limite de l'enveloppe indemnitaire globale fixée au taux suivant. Le maire, 81,82% des 55% de l'indice brut terminal. Je vous fais grâce de la fin de la phrase. Le premier adjoint, alors je vais aller du premier adjoint jusqu'au huitième adjoint, 84,20% des 22% de l'indice brut terminal. Et les conseillers municipaux délégués, 84,20% des 22% de l'indice brut terminal à l'échelle indiciaire de la fonction publique. Non cumulable avec l'indemnité perçue en qualité de conseiller municipal sans délégation. Article 2, revalorisation. Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point de l'indice. Et les crédits budgétaires à l'article 3, les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, d'approuver la répartition des indemnités allouées aux maires, adjoints et conseillers municipaux délégués. Et je vous laisse intervenir si vous le souhaitez. Monsieur Martin. Pourrions-nous connaître le montant global de l'enveloppe et quel est le pourcentage utilisé de l'ensemble des indemnités? Alors, le pourcentage utilisé, alors tout ce que vous me demandez, ce n'est pas dans mes papiers. Mais on va réussir quand même à vous donner une idée. Donc, le montant global de l'enveloppe est autour des 110 000 euros, me semble-t-il. Et ce qui représente un montant global supérieur à ce qui se pratiquait précédemment de 20 000 euros pour l'année. Ce choix a été fait pour une raison relativement simple. La totalité des adjoints ici et conseillers délégués, y compris les maires d'ailleurs, sont des personnes qui sont toujours en activité professionnelle. Et donc, il a été décidé d'augmenter légèrement cette enveloppe de manière à ce que forcément, le temps consacré à la collectivité, qui reste relativement lourd, puisse être compensé de la meilleure manière qui soit. C'est la raison pour laquelle l'indemnité du maire est en baisse et l'indemnité des adjoints et des conseillers délégués a augmenté un petit peu. Elle est restée la même, enfin, elle est un petit peu inférieure à celle qui se pratiquait avant, mais on a décidé d'affecter la même indemnité aux conseillers délégués que celle donnée aux adjoints. Quant au taux final, je me permettrai, si vous en êtes d'accord, que quelqu'un puisse faire le calcul de tête. Un calcul. Mais est-ce qu'on pourra vous la donner, effectivement, mais ça représente, vous voyez, on est à 81,82% des 55% de l'indice brut terminal. Et je dois avouer bien humblement que mes études de mathématiques sont un peu faibles. Y a-t-il autre chose, Madame Ginesté? Juste, quelque chose que je ne comprends pas bien, il y a 20 000 euros de plus alors que
l'indemnité des agents n'a pas bougé. Il n'y a que deux délégués qui ont une centaine d'euros en solidarité, qui ont ramené à l'année, ça fait à la grande louche 3 000 euros. Comment on peut l'avoir d'avant? Eh bien, parce que certainement, suis-je allé avec une louche un peu large, mais il faudrait effectivement. Ça parle de grande louche quand même, entre 3 000 euros et 2 000 euros. Non, non, mais ça doit être moins que ça, je vais vous le calculer en direct. Là, ça ne peut pas être 20 000 de plus. C'est les 20 000 qui m'étonnent, hein, qui parlent de l'année. Nous allons tout de suite. Voilà, donc on est à 107 409,24 € pour l'année. L'idée qu'il y avait 20 000 euros de plus. Et le montant de l'année dernière, enfin du mandat précédent, je ne l'ai pas. Oui, non, mais ça ne peut pas dire, ce que je ne comprenais pas, c'est que ça ne peut pas être 20 000 de plus dans la mesure où il y a juste le numéro 9 et 10 des délégués qui ont une indemnité identique. Si on fait 702,05 et 720,05 fois 2 multiplié par 12, ça fait 17 280 euros pour les conseillers délégués. D'accord. Et... Mais c'était déjà le cas avant. C'était le même montant avant, hein? Non, c'était moi, mais les différentiels et les deux les adjoints, je pense que c'est à peu près pareil. Et on, les délégués avaient 600 et maintenant vous mettez 120. Donc 120 euros de plus par mois pour deux personnes, ça ne peut pas faire 20 000 euros d'écart. C'est ça que je voulais signifier. Ça fait 2880 euros d'écart. Oui, voilà. Donc c'est pas pareil, quoi. La virgule était mal placée. Non, merci. Non, non, mais effectivement... Ça pas bien mis, parce que là, ça faisait des vacances en plus, quoi. Non, 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 ça fait... non, mais sans parler de vacances... Non, mais là, 2008, oui, c'est cohérent. Mais là, ça faisait quand même... C'est cohérent. J'ai placé, pardonnez-moi, la virgule au mauvais endroit. Merci. Y a-t-il d'autres interventions concernant cette enveloppe qui est proposée donc au vote? Donc, pour l'indemnité des élus, qui est contre, qui s'abstient, et elle est donc votée à l'unanimité. Merci à vous tous. Nous allons passer au point suivant. La délégation, les délégations du conseil municipal au maire. Donc, il est donné par le conseil municipal des délégations, vous le savez toutes et tous, en application de l'article L21-22-22 du Code général des collectivités territoriales, le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé de tout ou partie, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat. 1. D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. 2. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. De décider de la conclusion, oui, décidément, je ne vais pas y arriver, vous avez décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. 4. De passer des contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres y afférentes. 5. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. 6. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 7. D'accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges. 8. De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4600 euros. 9. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. 10. De fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux des domaines le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. 11. De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. 12. De fixer les reprises d'alignement en application du document de urbanisme. 13. D'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire. De déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L211-2 ou au premier alinéa de l'article L213-3 de ce même Code dans les conditions que fixe le Conseil municipal. 14.
d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle pour l'ensemble du contentieux de la commune et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 euros pour les communes de moins de 50 000 habitants. 15. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 50 000 euros. 16. De donner en application de l'article L324.1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. 17. De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L311.4 du Code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'une zone d'aménagement ou d'équipement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L332.11.2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. 18. De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 300 000 euros. 19. D'exercer ou de déléguer en application de l'article L214.1.1 du Code de l'urbanisme au nom de la commune le droit de préemption défini par l'article L214.1 du même code. 20. D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L241 à L243 du Code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles. 21. De prendre des décisions mentionnées aux articles L523-4 et L523-5 du Code de patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 22. D'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. 23. De demander à tout organisme financeur l'attribution des subventions. 24. De procéder au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification de biens municipaux. 25. D'exercer au nom de la commune le droit prévu au 1 de l'article 10 de la loi numéro 75-51 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. 26. Et dernier. D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au 1 de l'article L123-19 du Code de l'environnement. Les délégations consenties en application du 2e du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. Le maire doit rendre compte des décisions prises par délégation à chaque réunion du conseil municipal. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal après en avoir délibéré, de déléguer au maire l'ensemble des attributions énumérées à l'article L21-22-22 du Code général des collectivités territoriales tel que listé exposé ci-dessus, d'autoriser le maire à donner délégation à un ou plusieurs adjoints pour signer ces décisions dans les conditions fixées à l'article L21-22-18 du même code. Ouf. Donc je vous laisse poser vos questions si toutefois il y en avait. En espérant que vous avez lu tout ça avant. Parce que là, je peux comprendre que ça a été un peu dur. Pas de questions, pas de remarques ? Donc, nous allons passer cette délibération au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Et donc, cette deuxième délibération est adoptée à l'unanimité et je vous en remercie. La troisième délibération concerne le programme culturel. Par délibération du 2 février 1996, le conseil municipal a décidé de la création d'un service de programmation culturelle à compter du 1er juillet 1996. Ce service a pour objet d'organiser des spectacles et manifestations au centre culturel Jean Carmet. Voici celui que j'ai trouvé sur Internet. Ah. Je pense que le téléphone était parti se renseigner pour le programme du festival Ça chauffe, qui bat son plein en ce moment. Pour faire suite au renouvellement du conseil municipal en date du 21 janvier 2022, il est proposé d'accorder la délégation du maire pour la signature des contrats à intervenir entre les divers prestataires. Il est proposé aux membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, de déléguer au maire ou à son adjoint délégué, son adjoint pour le coup, la signature des contrats à intervenir avec les divers prestataires dans le cadre de la programmation culturelle. Avez-vous des questions, des remarques concernant cette délibération numéro 3. Eh bien, nous allons procéder au vote. Qui est contre cette délibération ? Qui s'abstient ? Elle est donc adoptée à l'unanimité, avec mes remerciements pour renouveler.
Nous passons au point numéro 4, quatrième délibération. Il s'agit de la détermination du nombre de membres du conseil d'administration au centre communal d'action sociale. Le rapporteur expose à l'Assemblée que les articles L123-6 et R123-7 et suivants du Code de l'action sociale et des familles fixent les conditions de fonctionnement des centres communaux d'action sociale et notamment les règles relatives à la désignation des membres du conseil d'administration. Validé de droit par le maire, ce conseil est composé à parité d'élus et de membres issus de la société civile, dans une proposition de 8 minimum à 16 maximum, en plus du maire. Il revient à l'Assemblée délibérante, de fixer à part égale le nombre des membres élus et des membres nommés, étant précisé que doivent figurer au titre des membres nommés au moins un représentant des associations familiales, un représentant des associations œuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées, un représentant des associations de personnes porteuses de handicap. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de l'action sociale et des familles, il est proposé aux membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, de fixer le nombre des membres du conseil d'administration du CCAS, président de droit non compris, à 5 membres élus par le conseil municipal, dont 3 membres pour la liste majoritaire et 1 membre dans chaque liste minoritaire, 5 membres nommés par le maire. Nous procéderons à la lecture de ces membres une fois que cette délibération sera adoptée. Si c'est le cas ce soir, y a-t-il des questions concernant le CCAS et le nombre de ses membres? Pas de questions. Je propose donc de la passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et une nouvelle fois, l'unanimité pour le nombre de membres du comité d'action sociale. Et nous allons donc découvrir maintenant qui sont les membres de ce CCAS. Donc le rapporteur rappelle au conseil municipal que celui-ci a fixé le nombre des membres élus au conseil d'administration du centre communal d'action sociale à 5. En conséquence, il convient de procéder à l'élection de ceux-ci dans les conditions fixées par l'article L123-6 et R123-7 et suivant du Code de l'action sociale et des familles. Scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Étant précisé que le maire est président de droit, il est proposé de fixer le nombre de délégués comme suit. 3 représentants pour la liste majoritaire, 1 représentant pour la liste Muré-Rigné au cœur, 1 représentant pour la liste Ensemble pour Muré-Rigné. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de l'action sociale et des familles, et notamment son article R123-8, le Conseil municipal invité à en décider, à procéder à l'élection de ses membres. Donc nous avons parmi les membres Jérôme Foyer, puisqu'il est membre de droit, Pierre Gasnier, qui peut lever la main, comme ça, voilà, Christelle Cailleux, Jean-Claude Santo, Agnès Clès et Guillaume Audouin. Il est proposé aux membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, de procéder à l'élection de ses membres au scrutin secret. Il est proposé, sauf si quelqu'un s'y oppose, bien évidemment, il est proposé aux membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, de procéder à l'élection de ses membres à main levée. Ça va à tout le monde? Ok, pas d'objection. Donc, c'est parti. Est-ce que tout le monde est d'accord pour nommer les 6 membres, à part le maire, bien évidemment, pour nommer les 5 membres de droit du conseil municipal, qui est contre, qui s'abstient? On en déduit donc que tout le monde est élu. Merci. La constitution de la commission d'appel d'offres. Commission d'appel d'offres. En application de l'article L1414-2 du Code général des collectivités territoriales, les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est supérieure au seuil européen en vigueur au moment du lancement de la procédure sont attribués par une commission d'appel d'offres. Conformément à l'article L1411-5 du Code général des collectivités territoriales, la commission d'appel d'offres est composée de 5 membres de l'Assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste et de 5 membres suppléants élus dans les mêmes conditions. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1414-2 et L1411-5, considérant qu'il convient de respecter la représentation proportionnelle, il est proposé d'attribuer 3 sièges à la liste majoritaire. Lesquels sièges seraient occupés par Emmanuel Capy, Laurent Quévaux et Caroline Legrand comme membres titulaires.
Philippe Martin, Christophe Fleury et Xavier Langade comme membres suppléants. Il est également proposé un siège de la liste Muré-Rigné au cœur. Il est proposé Yann Guégan comme membre titulaire. Et je pense qu'on a du mal communiquer nos histoires, mais il nous faut malgré tout un membre suppléant chez vous. Donc qui veut bien s'y coller? Eh bien, nous avons Madame Bazanté, merci, comme membre suppléant sur la liste Muré-Rigné au cœur. Et sur la liste Ensemble pour Muré-Rigné, même question. Nous avons Fabien Vetto comme membre titulaire et qui veut bien s'y coller comme membre suppléant. Monsieur Martin, merci. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, de procéder à l'élection des 5 membres titulaires et 5 membres suppléants au sein de l'Assemblée délibérante. Y a-t-il des questions concernant cette commission d'appel d'offres? Donc nous allons pouvoir procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, tous nos membres sont maintenant élus pour la commission d'appel d'offres. Constitution de la commission pour l'accessibilité. En application de l'article L2143-3 du Code général des collectivités territoriales, dans les communes de 5000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité. Conformément au Code général des collectivités territoriales, cette commission est composée de son président, d'élus représentants de la commune, d'associations ou d'organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicaps, d'associations représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques, ainsi que de représentants d'autres usagers de la ville. Cette commission établit un constat d'état d'accessibilité sur la commune et engage une réflexion pour améliorer la mise en accessibilité du territoire. Pour cela, elle établit un rapport annuel de cet état d'accessibilité qui est adressé au préfet. Il appartient à la collectivité de créer la commission d'accessibilité aux personnes handicapées. Il est précisé que la nomination des membres s'effectuera à l'issue de ces consultations par arrêté du maire. Vu l'article 27 de la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019, vu le Code général des collectivités territoriales, il est proposé aux membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, de décider la création de la commission d'accessibilité aux personnes handicapées, d'autoriser le maire à effectuer toutes les démarches de consultation nécessaires pour sa création. Y a-t-il des questions concernant la commission d'accessibilité? Pas de questions. Nous allons procéder au vote. Qui est contre la création de cette commission? Qui s'abstient? La commission est donc créée à l'unanimité du conseil municipal. La commission communale des impôts directs. La commission communale des impôts directs, la CCID, intervient de manière en matière de fiscalité directe locale. Son rôle est consultatif. Elle dresse la liste des locaux de référence pour déterminer la valeur locative des biens affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile, détermine leur surface pondérée et établit les tarifs d'évaluation correspondants. Elle participe à l'évaluation des propriétés bâties. Elle participe à l'élaboration des tarifs d'évaluation des propriétés non bâties. Elle formule des avis sur des réclamations portant sur une question de fait relative à la taxe d'habitation et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. L'article 1650 du Code général des impôts stipule dans son troisième alinéa la durée du mandat des membres de la commission est la même que celle de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Pour faire suite aux récentes élections municipales, il y a lieu de procéder à la nomination de nouveaux commissaires. Le même article du Code général des impôts détermine la composition de cette commission pour les communes de plus de 2000 habitants, outre le maire ou l'adjoint délégué qui en assure la présidence, 8 commissaires titulaires. Et nous avons les 8 commissaires titulaires dont la liste est la suivante. Christophe Fleury, Laurent Quévaux, Franck Cocro, Marie Périgaud, Antoine Gasnier, Françoise Le Gall, Myriam Martin et Jean Péché. Il y a également 8 commissaires suppléants qui seront Laurence Guiblet, Christelle Cailleux, Fabrice Berland, Caroline Legrand, Jean-Baptiste de Zévéa, Jean-Claude Santo, je suis désolé, il n'y a pas de piège, encore une fois, mauvaise communication et je m'en excuse par avance. Il me faudrait un suppléant pour la liste Muré-Rigné au cœur. Désolé, hein. Ça met un peu la pression. Qui veut bien s'y coller? Alors après, il s'agit d'être suppléant ici, hein, donc ça veut dire qu'effectivement, les suppléants ne sont pas appelés systématiquement lorsqu'il se passe quelque chose, mais sont appelés
en cas de défaillance d'un titulaire. Je vais en débattre un peu, si vous voulez. Est-ce qu'on a quelqu'un chez Ensemble pour mieux régner? On a Fabien Beto, les absents tout le temps, Fabien. Merci, monsieur Beto. Bien sûr. Pas de film. J'ai déjà fait la suppléance des gens du travail. J'essaierai de me faire pardonner à la fin. On va augmenter, ne vous inquiétez pas. Elle est d'accord. Non. Bon, allez. Merci Yann. Yann Guégan. Donc il est proposé. Alors après, il n'y a plus de piège, hein, je vous promets. Normalement, on a tout le monde. Il est proposé au nom du conseil municipal, à présent d'avoir délibéré, d'établir une liste de propositions comportant 8 noms pour les titulaires et 8 noms pour les suppléants, remplissant les conditions d'éligibilité du dit article 1650 du Code général des impôts. Pas de question. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Et donc, tous les membres sont maintenant installés. Neuvième délibération, constitution des diverses commissions municipales. En application de l'article L21-22 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal peut former des commissions chargées d'étudier les questions soumises au Conseil, soit par l'administration, soit à l'initiative de l'un de ses membres. Dans les communes de plus de 1000 habitants, la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. Les listes qui se présentent pour l'élection de ses membres peuvent ne pas être complètes. Ces commissions peuvent être formées soit à titre permanent pour la durée du mandat, soit pour une durée limitée à l'étude d'un dossier. Le maire est président de droit des commissions, mais les membres de celles-ci peuvent désigner un vice-président qui pourra les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. Il est proposé donc de créer les commissions suivantes. Une commission ressources humaines et qualité de vie au travail. Une commission affaires scolaires, jeunesse et petite enfance. Une commission habitabilité et aménagement du territoire, une commission culture et patrimoine historique, une commission solidarité et intergénérationnelle, une commission mobilité, prévention et réduction des déchets, une commission vie associative et sportive, une commission finances et développement économique, une commission démocratie participative et une commission transition écologique, biodiversité, espaces naturels et écotourisme. Afin de respecter le principe de la représentation proportionnelle, il est proposé que chacune d'entre elles soit composée de la manière suivante. Le maire président de droit, l'adjoint délégué président, vice-président, pardon, 4 représentants de la liste majoritaire, 3 représentants des listes minoritaires. Vu le Code général des collectivités territoriales, il est proposé aux membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, de procéder à l'élection des membres des diverses commissions. Et nous passons donc, il n'y a pas de délibération sur ce neuvième point, nous passons donc à la désignation, ce sera le dixième point de notre conseil, désignation des représentants du conseil municipal auprès de l'agence d'urbanisme de la région Angevine, l'ORA. Ah, j'ai derrière mon oreillette qui sonne. Oui. Ah, il est marqué que nous devons procéder à l'élection des membres des diverses commissions. Je pensais que ça arrivait un petit peu plus loin, mais donc ça arrive maintenant. Donc nous allons élire les membres des diverses commissions que je vous ai citées tout à l'heure. Donc on va revenir en arrière, si tu veux bien, Karine, appuyer sur le bouton. Voilà, et nous avons une question. Avant de lire, on a vu qu'il y avait 2 sièges de disponibles et on voulait savoir si c'était possible d'avoir des personnes de notre liste sur les sièges. Tout est possible. Après, on était convenu que vous puissiez trouver un terrain d'entente là-dessus. Je ne sais pas ce qu'il en a été. Effectivement, moi j'avais compris que quand il y avait 3 sièges, c'était 1 plus 2 ou 2 plus 1. Donc, à partir du moment où, effectivement, on s'était concerté en disant, les personnes, donc, moi, je pensais que vous aviez, quand on ne proposait qu'une personne, en proposer 2. Oui. Donc, voilà. Non, c'est exactement ce qu'on a fait, sauf qu'il y a un siège de disponible sur la démocratie participative, et il y en a un autre sur les ressources humaines et la qualité du haut travail. Et si c'était en accord avec vous, j'aurais proposé 2 personnes. Mmh.
en plus. Pas pour moi, il n'y a pas de, pas de difficulté. Parce qu'il y a 2-3 cas, je n'ai pas compris. Non, regarde. Si vous voulez, on va faire une chose simple. On va lire la composition de chacune des commissions. Et puis lorsqu'il y aura effectivement les sièges à pourvoir, vous pourrez en parler ensemble. Ça va tout le monde plus. Donc on avance. Ah oui, d'accord. Sur la commission ressources humaines et qualité de vie au travail. Excusez-moi, est-ce qu'on pourrait être projeté parce qu'on n'a pas forcément. C'est ce que j'ai demandé, mais on n'a pas le tableau. Ou alors il y a le tableau sur mon lit, peut-être. Oui, c'est pour ça que je ne comprenais pas la question de M. Martin, parce qu'effectivement, il y a du jaune fluo où il n'y a personne. Voilà, c'est ça qui regarde à clair. Attends, regarde. Si on avait le tableau, on aurait compris. Il y en a dans le jeu, on peut mettre. Après, vous me direz les membres du monde, parce que moi, pour l'instant, à part la commission démocratie participative, j'ai tout le monde partout. La RH. Ouais, la RH, en fait, il manquait un membre de la liste majoritaire. Donc maintenant, c'est fait. Donc en fait, c'est démocratie participative où il manque quelqu'un. Oui. L'idée, c'est vraiment de positionner si bien sûr la liste de DGST est d'accord pour qu'on puisse positionner. Ok, il n'y a pas de souci. On va avoir ça effectivement sur l'avant-dernière, donc on y est bien à ce moment-là. Alors effectivement, sur la première commission, puisque nous avons 5 et 3 pour faire 8, ça doit être à peu près ça. Sur la première des commissions, donc ressources humaines et qualité de vie au travail, le président c'est toujours le même, Jérôme Foyer, et nous avons Camille Anton, Laurent Quévaux, Christophe Fleury, Caroline Legrand, Claire Gasnier pour la liste majoritaire, nous avons Agnès Clès, Jean Péché et Michael Martin pour les listes minoritaires. Voilà. Pour la commission affaires scolaires, jeunesse et petite enfance, nous avons, outre le président, Christelle Cailleux, qui sera vice-présidente, Laurence Guiblet, Jean-Claude Santo, Françoise Legal, Christophe Fleury pour la liste majoritaire, Agnès Clès, Myriam Martin, et Guillaume Audouin pour les listes minoritaires. Nous avons, habitabilité et aménagement du territoire, comme vice-président Laurent Quévaux, Fabrice Berlin, Emmanuel Capille, Christelle Cailleux, Philippe Martin pour la liste majoritaire, et Yann Guégan, Fabien Veto et Michael Martin pour les listes minoritaires. Culture et patrimoine historique, la vice-présidente est Karine Poulalion, Marie Périgaud, Françoise Legal, Antoine Gasny, Emmanuel Capille pour la liste majoritaire, Odile Ginesté, Guillaume Audouin et Michael Martin pour la liste minoritaire. Solidarité intergénérationnelle, Claire Gasnier comme vice-présidente, Christelle Cailleux, Anne-Noël Rousseau-Cassan, Karine Poulalion, Marie Périgaud pour la liste minoritaire, Agnès Clès, Myriam Martin et Guillaume Noir pour les listes minoritaires. Nous continuons avec mobilité, prévention, réduction des déchets. Franck Cocreau en sera le vice-président, Fabrice Berland, Philippe Martin, Emmanuel Capi, Laurent Quévaux et Yann Guégan, Fabien Veto et Michael Martin. Pour la vie associative et sportive, nous avons Xavier Langas comme vice-président, Franck Cocreau, Antoine Gasnier, Marie Périgaud, Caroline Legrand, et Jean Péché, Guillaume Audouin et Myriam Martin. Pour la commission finances et développement économique, nous avons Caroline Legrand comme vice-présidente, Jean-Claude Santo, Laurent Quévaux, Xavier Langas, Christelle Cailleux, et Jean Péché, Delphine Bazanté, Michael Martin. Pour la démocratie participative, nous avons Philippe Martin comme vice-président, Antoine Gasnier, Fabrice Berland, Jean-Baptiste Ledévéa, Christophe Fleury, et Delphine Bazanté, Michael Martin, et... A-t-on le droit ? Ah ben bien sûr, ah ben non, mais il n'y a pas de notion de droit, c'est... Alors je propose Guillaume Audouin. Est-ce que ça convient à tout le monde ? Ça convient à tout le monde. Eh ben ça convient à tout le monde. Donc c'est Guillaume Audouin qui clôture cette liste de la commission démocratie participative. Et nous en terminons avec la transition écologique, biodiversité, espace naturel et écotourisme. Fabrice Berland, ils ont mis François, mais parce que ça devient un gimmick. On va y avoir droit pendant les 4 ans. Donc il s'agit bien de Fabrice Berland, qui en est le vice-président, Philippe Martin, Christophe Fleury, Jean-Baptiste Devers, Emmanuel Capi, et
Odile Ginesté, Delphine Bazanté et Myriam Martin. C'est bon pour tout le monde ? Yes. Parfait. Donc, eh bien, bravo à toutes et tous. Quelques réunions en perspective. Et nous allons pouvoir passer, je pense, sous le contrôle de ma chef qui va me faire un particulier à la fin. Voilà. Désignation des représentants. Ah, bon, excusez-moi, monsieur le maire, mais je crois qu'on n'a pas nommé la commission pour l'accessibilité, les noms. C'est pas ce soir. Ah non, donc on a nommé le reste, mais pas ça. Non, parce que là, on est dans les commissions, alors c'est... Non, mais les institutions, on a fait les autres, mais ça, je pense. Non, parce que après, c'est dans le cadre légal, elle est instituée ce soir, vous avez accepté que cette commission soit instituée, et les membres seront désignés ultérieurement. Alors, nous allons interrompre quelques minutes ce conseil municipal. Le temps d'aller au renseignement. Bon, ce que je vous propose, c'est que nous continuions. Et nous allons continuer. Bon, il faut donc voter. Voilà, s'il vous plaît, on va continuer notre conseil, si vous voulez bien. J'ai un petit bouton magique. Voilà. Tout va bien ? Bon. On a un petit problème d'enlisement, on va donc interrompre le conseil pour quelques minutes, le temps de trouver la solution. Bon, on savait que les municipalités, ça devait être tout terrain, mais on ne pensait pas que ce serait à ce point-là. Donc, il y a une personne qui est sortie, on va attendre qu'elle rentre, puisqu'on ne pourra pas procéder au vote sans qu'elle soit présente dans cette assemblée. Ok, donc on avance. Donc, on décide que la personne s'est débordée pour la délibération suivante, et nous reprenons le cours de notre conseil municipal avec la délibération numéro 10, désignation des représentants du conseil municipal auprès de l'agence d'urbanisme de la région Angevine, Laura. La commune de Muré-Rignier. On n'a pas voté la Ah oui, on n'a décidément pas voté les commissions. Bon, on va y arriver. Ça a coincé à la numéro 9, les pompiers sont enlisés, je ne sais pas où on va finir. C'est terrible. Bien, allez, votons donc. Je vous ai fait lecture de la totalité des membres des commissions, lecture des commissions. Il s'agit donc de valider leur élection. Qui s'abstient ? Qui est contre ? C'est dans l'autre sens. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Et donc, tous nos membres des commissions sont désormais élus et bien élus. Et nous allons pouvoir passer à Laura. Laura, et je vous le rappelle pour la troisième fois, c'est l'agence d'urbanisme de la région Angevine. La commune de Muré-Rignier, membre de l'agence d'urbanisme de la région Angevine, association de loi 1901. Laura est une structure d'ingénierie territoriale et urbaine. Cet organisme de réflexion, d'études, d'aide à la décision et d'accompagnement des politiques publiques a pour mission principale l'observation territoriale, la planification urbaine et la contribution à la définition des politiques d'aménagement et de développement. Et le problème est réglé. Félicitations. Merci beaucoup. Et nous allons prendre maintenant avec nos membres dans leur entièreté. Comme le prévoit l'article 7.1 et 7.9 du titre 3
des statuts de l'association, les collectivités territoriales et les EPCI adhérents désignent des représentants à l'Assemblée Générale au Conseil d'administration. Considérant l'intérêt d'une adhésion à l'agence d'urbanisme, notamment pour pouvoir bénéficier des services qu'elle offre en termes d'observation, habitat, foncier, environnement, économie, et de missions d'études urbaines et d'aménagement. Considérant que tous les membres de l'association concourent au bon fonctionnement de l'association en versant une cotisation annuelle dont le montant est arrêté chaque année par l'Assemblée Générale sur proposition du Conseil d'administration et selon le règlement voté par ce dernier, vu la délibération numéro 23-2017 en date du 14 mars 2017 concernant l'adhésion de la commune à l'ORA, vu la délibération numéro 65-2017 en date du 6 juin 2017 concernant la convention de partenariat, vu le procès-verbal d'installation du conseil municipal en date du 21 janvier 2022, il est proposé au nom du conseil municipal, après en avoir délibéré, de désigner un représentant de la collectivité pour le conseil d'administration et pour l'Assemblée générale de l'agence d'urbanisme de la région Angevine, lequel membre est donc proposé en la personne de Laurent Quévaux. Y a-t-il des questions concernant Laura? Pas de questions concernant Laura. Nous allons procéder au vote. Oui, Laura, pas Laurent. Nous allons donc pouvoir procéder au vote de cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est donc adoptée à l'unanimité. Onzième délibération. Désignation de représentants du conseil municipal auprès du syndicat Léon Aubance Louette. Par arrêté du préfet en date du 26 juin 2015, le syndicat mixte du bassin de Léon, le syndicat mixte du bassin d'Aubance, le syndicat intercommunal de protection des levées de Blaison-Veuillet au conseil Muré-Ligné et le syndicat intercommunal de la vallée du Louette ont fusionné au 1er janvier 2016 en tant que syndicat d'aménagement de la gestion des eaux Léon Aubance Louette. Ce syndicat a pour objectif de restaurer les rivières du territoire et les milieux aquatiques, d'œuvrer pour la continuité écologique, d'améliorer la qualité des eaux et de mieux gérer les ressources en eau. Ce groupement permet au syndicat d'être en cohérence avec le périmètre du SAGE, validé par le préfet en 2014. En application du Code général des collectivités territoriales, les délégués du conseil municipal suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat. En conséquence, et pour faire suite au renouvellement du conseil municipal en date du 21 janvier 2022, il est nécessaire de procéder à l'élection des représentants de la commune au sein des divers syndicats dont elle est membre, et notamment auprès du SAGE Léon, Aubance, Louette, vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'arrêté préfectoral numéro 2015-30 en date du 26 juin 2015, vu la délibération numéro 107-2015 en date du 8 septembre 2015, vu le procès verbal d'installation du conseil municipal en date du 21 janvier 2022, il est proposé aux membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, de désigner un délégué, qui serait donc une déléguée, en la personne d'Odile Ginesté, auprès du syndicat Léon Aubance Louette, au pluriel. Y a-t-il des questions concernant ce syndicat? Il y a une question concernant ce syndicat. Ça faisait partie des questions que je voulais vous poser, vous entendez. On ne nous a pas proposé, est-ce qu'il y a... un code, enfin, est-il pris dans le code de la collectivité une représentation des membres de l'opposition? Donc, visiblement, oui. Et comment est décidé et voilà. Alors, ça a été décidé de la manière suivante. Odile Ginesté était déjà en poste sur ce syndicat-là en tant que vice-présidente. Voilà. Et dans un souci, alors, il n'y a pas de règle, hein. Très clairement, il n'y a pas de règle. Dans un souci de continuité, il n'y a pas de changement non plus. Non, mais je précise les choses. Dans un souci de continuité du travail qui avait été démarré dans ce syndicat-là, il a été proposé en fait qu'elle puisse conserver ce poste auprès du syndicat. Et nous allons avoir ensuite une autre délégation qui sera portée par Fabrice Berland ici en tant qu'adjoint, enfin que conseiller délégué, soyons précis. Au niveau d'ALM. Je pense que je peux ramener quelques éléments complémentaires. Donc, je suis effectivement élue depuis 2 ans et théoriquement, donc, c'était pour un mandat de 6 ans. Dans la mesure où il y a un changement de conseil municipal, la nouvelle équipe propose au syndicat un membre de la collectivité non désignée. Mais si ce membre, donc là en l'occurrence, c'est la personne qui est proposée, mais si c'était une autre personne de l'équipe, elle ne serait pas automatiquement dans la fonction de je suis vice-président milieu aquatique pour le bassin versant de Laurence. Donc je
ce n'est pas la représentation de la commune, c'est la représentation d'un territoire de 45 communes. Et si toutefois ce n'était pas ma personne, il y aurait des élections au mois de mars-avril prochain au niveau du syndicat, et le syndicat est en droit de proposer des candidats. Ce n'est pas une reconduction. La reconduction serait si la personne actuelle est maintenue, mais si elle n'était pas maintenue, il y aurait que l'élection, il n'y aurait pas forcément quelqu'un de réélu. Donc il y aura des conséquences derrière, c'est une élection. Donc, et là, on ne sait pas, le président du syndicat sort en scène, que même si la personne était maintenue, est-ce qu'il ne faut pas quand même refaire les... En principe, non, mais on attend la réponse du préfet. Voilà. Donc c'est un représentant de la commune, mais c'est bien le syndicat, c'est pour l'ensemble d'un territoire de 300 000 habitants et 45 communes. Et d'ailleurs, il est prévu de présenter le syndicat à l'ensemble des élus pour bien comprendre la mission et le territoire. Parce que c'est pas, on ne défend pas la commune, on défend, enfin, on représente un bassin. C'est bon? Pas de souci. Peut-on proposer quelqu'un si un des élus peut-on proposer quelqu'un si jamais pour Alter, Homs Clash, quelque chose où c'est vous êtes fermé à cette idée-là? Alors, en fait, je comprends pas très bien. Vous pouvez proposer quelqu'un là, partout où c'est possible. D'accord. Donc, juste après, là, on va continuer et après, on a Alter. Et dans ce cas-là, j'ai un nom à vous proposer si vous voulez. Oui, sur quel point? Juste après, sur la désignation pour le représentant du conseil municipal au sein de l'Alter public. D'accord. Ok. Ça marche. Mm-hmm. On y va pour ça? Donc on vote pour la désignation du membre du conseil municipal au syndicat. Léon Provence Louette qui est contre, qui s'abstient. Et donc Odile Ginesté s'en va représenter la commune auprès de ce syndicat. Désignation des représentants du conseil municipal au sein d'Alter Public. Alter Public a pour mission d'aider les collectivités actionnaires dans leurs projets d'aménagement, de développement économique et de construction de gestion d'équipements publics. C'est un maître d'ouvrage unique au service du territoire. Dans le cadre du renouvellement du conseil municipal de la ville de Mur-et-Rigné, il convient de nommer un nouveau représentant de la collectivité aux assemblées générales, aux assemblées spéciales et aux commissions des marchés publics d'Alter Public. Vu la délibération en date du 24 février 2015, vu la délibération en date du 10 septembre 2019, vu le procès verbal d'installation du conseil municipal en date du 21 janvier 2022, il est proposé aux membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant pour représenter la collectivité aux assemblées générales, aux assemblées spéciales et aux commissions des marchés d'Alter Public. Donc, les personnes qui sont proposées ce soir comme titulaire Laurent Quévaux et comme suppléant Franck Gros. Et donc, je me fais la voix de M. Leto qui n'est pas à ce soir, mais qui voulait se proposer. Très bien. Comme quoi? Eh bien, comme on n'avait pas de on ne savait pas comme titulaire ou suppléant, comme. Ça passe au vote, donc il n'y a pas de problème. Non, mais c'est juste une explication. C'est-à-dire que nous, on a besoin. Enfin, les gens qui font partie du BM sont au courant de sujets. C'est que vous, là. Mais pas au courant. Et ça veut dire qu'on ne peut pas arriver chez Alter sans connaître les dossiers. Et nous, les gens, on en apprend beaucoup, en toute sincérité. Donc on peut pas avoir un titulaire. C'est pour ça que je vous ai demandé si c'était prévu dans le code de la collectivité. Il est proposé des membres sur cette représentation-là. Ensuite, comme c'est soumis au vote, on va bien évidemment soumettre au vote. Et enfin, je vois pas en quoi on peut refuser la participation de quelqu'un à un vote. Il n'y a rien qui nous prévoit, en tout cas. Soit les membres sont désignés sous l'autorité du maire, donc là effectivement c'est prévu dans le code, soit effectivement c'est prévu au vote et on va procéder au vote. Il n'y a pas de difficulté majeure. Comment ? Oui, c'est une désignation, mais on va la passer au vote. On fait ça ? Donc on va voter à main levée si vous êtes d'accord. Tout le monde est OK pour ça ?
S'il n'y a pas de questions, on peut déjà attendre. Hein, on y va? On fait ça? Ok. Donc, au poste, donc, il se présenterait à Fabien Leto, poste de titulaire? Suppléant. Au poste de suppléant, Très bien. Donc, nous allons commencer par désigner par élection le titulaire, donc, qui est d'accord pour que Laurent Quévaux soit le représentant titulaire de, d'Alter Juridique au sein du conseil municipal. Non, non, qui est d'accord. Tout le monde est d'accord. Donc, ça en fait 29. Concernant le suppléant, nous proposons Franck Cocreau. Qui est d'accord pour que Franck Cocreau soit le suppléant? Donc, ça fait 26. 24, 25, 25, et donc pour Fabien Veto, 3, plus 1, très bien, 4. C'est bon, c'est monsieur pour tout le monde. Ok. Donc nous aurons comme représentant titulaire Laurent Quévaux, comme représentant suppléant Franck Cocreau. Au sein d'Alter Public. 13e point, désignation d'un représentant de la commune de Murerie au sein du Conservatoire des espaces naturels des Pays de la Loire, le CEN. Le Conservatoire des espaces naturels des Pays de la Loire, CEN-Pays de la Loire, est issu de la volonté des acteurs du territoire régional de se doter d'un nouvel outil au service des espaces naturels. Il est le fruit d'une large concertation des acteurs régionaux de la biodiversité, pilotée par la Fédération des conservatoires d'espaces naturels, avec l'appui de la délégation de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et du Conseil régional des Pays de la Loire. Il s'appuie sur les actifs en compétence des deux organismes préexistants qui ont décidé de mutualiser leurs moyens, de consolider leurs fonds propres et de mettre à disposition du projet leurs expériences, leurs compétences et leur patrimoine, à savoir le Conservatoire d'espaces naturels de la Sarthe, le CENSARTH, le Conservatoire régional des rives de la Loire et de ses affluents, le CORELA, auquel adhérait notre collectivité. Le CEN-Pays de la Loire a pour objectif d'animer un réseau de gestionnaires d'espaces naturels, d'accompagner et de conseiller les collectivités territoriales dans l'émergence et la mise en œuvre de projets visant la préservation et la restauration des milieux naturels, en lien notamment avec le schéma régional de cohérence écologique, de préserver et gérer les sites naturels remarquables par la maîtrise foncière ou d'usage en devenant propriétaire ou en passant des conventions avec les propriétaires publics ou privés, élaborer et mettre en œuvre des plans de gestion d'espaces naturels pour déterminer les actions de restauration et d'entretien réalisées. Il nous est proposé de renouveler l'adhésion au CEN Pays de la Loire et il est proposé aux membres du conseil municipal après en avoir délibéré d'autoriser le maire à renouveler l'adhésion au Conservatoire des espaces naturels des Pays de la Loire pour la durée du mandat et de désigner un représentant pour la collectivité en la personne de Fabrice Berland. Est-il des questions sur le CEN? Oui, c'est Fabrice. Donc, je vous propose de passer cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc Fabrice Berland qui ira représenter la collectivité auprès du CEN. Désignation des représentants du conseil municipal auprès du comité de signage. Pour faire suite au renouvellement du conseil municipal, il y a lieu de désigner les 10 membres représentants de la dite assemblée au comité de signage dont le maire est membre de droit. D'autre part, parmi les membres, des mêmes membres représentants, il y a lieu d'en désigner 3 afin de siéger au bureau. Vu le procès verbal d'installation du conseil municipal en date du 21 janvier 2022, il est proposé au membre du conseil municipal, après en avoir délibéré, de désigner 10 conseillers en qualité de membres du comité, y compris le maire membre de droit. Il est proposé d'attribuer 5 sièges à la liste majoritaire, 2 sièges à la liste Murerigny au cœur et 2 sièges à la liste ensemble pour Murerigny. Parmi ces membres, ces 9 membres, 3 en qualité de membres de bureau. Il est donc proposé Karine Poulalion, qui serait également membre du bureau, Jean-Claude Santo, Antoine Gasnier, Philippe Martin, Laurence Biblet, Odile Ginestet comme membre du bureau, Delphine Bazanté, Guillaume Audouin et Myriam Martin comme membre du bureau. Y a-t-il des questions concernant ce point? Nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et voici les membres désignés pour le comité de jumelage.
Nous passons au point numéro 15, désignation de représentants du conseil municipal auprès du conseil d'administration du Centre local d'information et de coordination gérontologique, le CLIC. Le CLIC de Loire à Loire, association loi 1901, est composé de 3 collèges, 1 élu par la commune, 6 représentants professionnels, 3 représentants des usagers. Le CLIC s'adresse aux personnes de plus de 60 ans et à leur entourage. C'est un service gratuit et informe, conseil, qui informe, conseil, oriente et accompagne sur toutes les questions liées au maintien à domicile et à l'entrée en structure. Aide à domicile, portage des repas, soins à domicile, téléassistance, aide aux aidants, accueil de jour, hébergement temporaire, transport, adaptation du logement, résidence autonomie, maison de retraite, aide financière, etc. Pour faire suite au renouvellement du conseil municipal en date du 21 janvier 2022, il y a lieu de procéder à la désignation d'un membre titulaire et d'un membre suppléant qui représenteront la commune au sein du collège des élus du conseil d'administration du CLIC. Par délibération du 7 novembre 2007, la collectivité de Muret-Rigné a adhéré au CLIC, Centre local d'information et de coordination gérontologique. Vu la délibération date du 16 novembre 2007, vu le procès-verbal d'installation du conseil municipal en date du 21 janvier 2022, il est proposé aux membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, de désigner un représentant titulaire en la personne de Claire Gassier et un représentant suppléant, Christelle Cailleux, pour représenter la collectivité au conseil d'administration du CLIC. Y a-t-il des questions? Pas de questions, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et nous avons donc nos deux membres au CLIC. On continue par une nouvelle désignation, point numéro 16, désignation d'un représentant du conseil municipal auprès de l'association École de musique et Atelier de danse. Pour faire suite au renouvellement du conseil municipal, il y a eu de désigner un représentant de la commune au sein de l'association École de musique et Atelier de danse située à la Maison des Arts. Vu la délibération numéro 77-2017 en date du 12 septembre 2017, vu le procès-verbal d'installation du conseil municipal en date du 21 janvier 2022, il est proposé aux membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, de désigner un représentant, en la personne de Karine Poulalion, de la collectivité auprès de l'association École de musique et Atelier de danse, l'association Accordance. Y a-t-il des questions concernant Accordance? Pas de questions, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Karine Poulalion ira donc siéger chez Accordance. Désignation des délégués, point numéro 17, du conseil municipal auprès de l'Office municipal des sports, de la culture, des loisirs et de l'action sociale. En application de l'article 12 des statuts de l'Homme's Class, cette association est composée, entre autres, du maire et de 3 conseillers municipaux, membres de droit. Pour faire suite au renouvellement du conseil municipal en date du 21 janvier 2022, si vous ne saviez pas maintenant, vous savez, il y a lieu de nommer les représentants de l'Assemblée au sein de cet organisme. Vu le procès verbal d'installation du conseil municipal en date du 21 janvier 2022, il est proposé aux membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, de désigner 3 membres représentant la collectivité auprès de l'Homme's Class. Ici, nous aurions Xavier Langade, Claire Gasnier et Marie Périgaud. Y a-t-il des questions concernant l'Homme's Class? Pas de remarques. Nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et c'est donc l'unanimité pour la désignation de ces membres. Nous passons au point numéro 18, qui sonnera à la fin des délibérations de ce conseil municipal. La désignation des représentants du conseil municipal de la commission locale d'évaluation des charges transférées. La CLECT. Qu'est-ce que c'est que la CLECT? À la suite du renouvellement des conseillers municipaux des communes membres d'Angers-Loire Métropole et du Conseil de communauté, il convient de désigner les membres de la commission locale des charges transférées, la CLECT, dont la mise en place est prévue par l'article 1609 noni C du Code général des impôts. Cette commission est chargée de rendre un avis lorsque le transfert, lors de chaque transfert de charges entre les communes membres d'Angers-Loire Métropole. Elle est créée par l'organe délibérant de l'établissement public, qui en détermine sa composition. Elle est composée de membres de conseils municipaux, des communes concernées, chaque conseil municipal disposant d'au moins un représentant. À l'instar de la composition qui avait été retenue dans le cadre du précédent mandat, confère la délibération du conseil de communauté d'Angers-Loire Métropole d'EL 2014-79 du 12 mai 2014, il a été convenu de limiter le nombre de membres de la commission à un par commune et de faire en sorte que le représentant de la commune soit le maire de préférence. Il convient donc, par conséquent, de désigner un représentant du conseil municipal pour siéger dans cette commission.
vu le code général des impôts, notamment l'article 1609 9C, vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L21-21-33, il est proposé aux membres du conseil municipal après en avoir délibéré de désigner un représentant de la collectivité en la personne de Caroline Legrand pour siéger à la commission locale des charges transférées, la CLECT, de la communauté urbaine Angers Loire Métropole. Vous avez tous compris, la CLECT, là on vient de vivre un transfert de compétences qui est la voirie, il y a des charges associées, il y a des attributions de compensation qui sont décidées au sein d'Angers Loire Métropole, et donc le membre du conseil municipal qui participe à cette commission est là pour voir ce qui s'y passe et puis contribuer à ce que toutes les collectivités soient bien traitées, mais c'est le cas, au sein d'Angers Loire Métropole. Y a-t-il des questions? Nous allons donc procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc Caroline Legrand ira siéger à la CLECT. Félicitations. Voilà, eh bien je pense que l'ensemble des points ce soir aura été abordé. Je vous remercie pour votre participation à ce conseil municipal un peu particulier puisque les débats n'ont été qu'autour de questions purement de désignation ou d'installation de commission, mais je pense que l'intérêt de notre assemblée sera un peu plus vif lors des prochaines dates. La prochaine date, ah oui, y a-t-il des interventions? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Nous avons Michael Martin. Est-ce que le conseil communautaire fait l'objet d'un ordre du jour et est-il diffusé en amont? Si oui, pourrait-il nous être adressé? Alors, la réponse est oui à la première question, oui à la deuxième, et oui, oui. Absolument. Donc, il fait l'objet d'une diffusion, et la diffusion sera proposée à l'ensemble des membres du conseil municipal. Je ne vous cache pas pour le premier qui s'est venu hier, on était un peu court. D'ailleurs, on a participé à un conseil communautaire, c'est Christelle qui s'y est collée, pour lequel on n'avait pas participé auparavant à la commission permanente. Mais dès le prochain, soyez rassurés, vous aurez tous les éléments qui concernent l'ordre du jour, au moins, de ce conseil communautaire. Je rappelle que le conseil communautaire est public. Donc, même s'il y a des titulaires et des suppléants, vous pouvez aller assister au conseil communautaire. Pourrions-nous avoir un compte rendu ou est-ce qu'il pourrait y avoir un rapporteur au sein du conseil municipal? Alors, le compte rendu, il a été envoyé, me semble-t-il. Il a pu les membres. Il a été envoyé absolument au conseil municipal. Donc, s'il y a eu un problème de mail, surtout, vous pas hésiter à nous le dire. Mais en toute logique, vous avez reçu le compte rendu. Oui. Eh ben, on va régler ça dès après ce conseil. Mais, si l'adresse mail est bonne, et que c'est pas dans les spams et que c'est pour partie, je sais pas où, normalement, vous l'avez. Oui, on l'a. Oui. Oui. OK. Et donc, pour faire la suite, vous n'étiez pas, donc, hier au conseil communautaire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu 132 millions d'euros qui a été consacré à la transition écologique. Quelles seront les retombées de cette manne financière pour la commune? Pour info, il y a eu un projet de 1,77 millions d'euros pour la liaison cyclable entre Angers et Conflans. Et monsieur le maire, plus généralement, allez-vous être un facilitateur dans le cadre des débats au sein du conseil communautaire? Alors, qu'est-ce qu'on entend par facilitateur? C'est-à-dire que, bien évidemment, au sein du débat dans le conseil communautaire, nous sommes deux titulaires, hein. Il y a moi qui participe aux commissions permanentes, il y a donc Christelle Cailleux qui participera avec moi à l'ensemble des conseils communautaires. En effet, je n'ai pas pu y assister hier soir, donc j'avais donné mon pouvoir à Christelle qui a pu suivre les débats. Le vote de cette participation financière d'ALM au niveau de la transition écologique va faire l'objet de développement de différents dossiers qui ont déjà été soumis par la municipalité sur certains des points qui concernent pour en être débattu. On y retrouve la mobilité, on y retrouve tout ce qu'on avait déjà annoncé. Ce document vous sera partagé. Hein. Pour l'instant, on en est à l'élaboration, donc ce document vous sera partagé. Et bien évidemment, cela fera l'objet d'arbitrages qui seront donnés par ALM, directement par le conseil communautaire, pour l'utilisation effectivement de cette manne. Concernant la mobilité, c'est un dossier qu'on a initié
sous la précédente mandature, parce que j'étais référent à l'époque aux mobilités sur notre secteur du Sud-Loire. Nous avons d'ores et déjà pris des contacts avec Jean-Paul Pavillon, qui est le maire des Poncées, sur lequel on travaille de concert pour faire en sorte que notamment les pistes cyclables finissent par voir le jour sur la liaison entre Angers et Muret-Rigné. On a également inscrit sur ce dossier la ligne express, qui est attendue pas seulement par Muret-Rigné, mais aussi par d'autres collectivités d'Angers-Loire Métropole. On a parlé du bus de nuit également, hein, puisque le bus aujourd'hui de nuit s'arrête au Poncet et ne vient pas jusqu'à Muret-Rigné. Il y a différents dossiers qui vont être abordés. Et notamment, un de ceux sur lesquels on est très attentif, au moins pour la mobilité, c'est cette liaison qu'on attend entre Angers et la ville de Muret-Rigné. Il faut savoir que le plan vélo a été largement déployé aujourd'hui sur la collectivité Angers-Loire Métropole, mais pas beaucoup dans le sens nord-sud, plutôt dans le sens est-ouest, et du côté également du nord de l'agglo. Un autre point sur lequel on sera très attentif aussi, comme vous le savez, il y a le déploiement de la deuxième et troisième ligne de tramway fin 2023. ALM a saisi du dossier pour remettre en cause la totalité des trajets de bus, des kilomètres qui seront effectués par les bus. Et évidemment, c'est un dossier que nous allons porter également, peut-être pour faire en sorte que notre collectivité ne soit pas seulement desservie par un bus, une ligne de bus, mais essayer de voir comment on peut améliorer encore cette mobilité au sein de notre commune. Donc voilà pour ce qui concerne cette question. Vous avez d'autres points à aborder? Et bien, s'il y a rien de plus, ce soir, outre le fait, vous avez pu constater que donc, désormais le conseil municipal est filmé et retransmis en direct sur les outils, sur les réseaux sociaux, c'est Facebook pour nous joindre. YouTube, apparemment. C'est YouTube. Bon. On sait combien il y a eu de... YouTube. Non, mais on fera effectivement un retour sur la fréquentation de cette innovation. Et puis, il y a une deuxième innovation qui aussi est un certain retour à la convivialité à laquelle nous aspirons tous. Et hier soir, nous étions à l'inauguration du Festival Sachaud et ça nous a donné des grandes envies de partage et des grandes envies de convivialité et de proximité. Et donc, dès ce soir, nous allons innover à la fin de ce conseil municipal, qui est donc désormais levé. Nous allons tous partager, pour ceux qui le souhaitent, évidemment, public compris, le verre de l'amitié, ce qui nous permettra de poursuivre les échanges et de continuer de dialoguer les uns avec les autres. Donc, ceux qui ont encore quelques minutes, je pense qu'on n'a pas été trop gourmands, 21h22. Et le prochain conseil municipal se tiendra ici même le 22 mars à 20h. Et nous parlerons d'orientation budgétaire que nous allons donc nous attacher à construire ardemment d'ici là. Merci à toutes et merci à tous. Place au festival Sachaud, surtout sur les spectacles du soir, donc si ça vous dit, vous pouvez encore réserver.